Quel type de préparation, quel type de construction faites-vous sur vos romans? So how do you organize the construction of your novels? Ah, that's the hardest part, boy. I usually think of them in three acts, like a movie. Movies were my first storytelling inspiration, and movies are generally three acts. And so I try to think of them in those pieces, and then that helps me organize it. I'm Catholic, and so they tend to have this sort of structure where you have temptation, sin, and then punishment. And I think of those usually as the three acts, and that usually governs a lot of the story. Donc elle dit que la construction, c'est vraiment la partie la plus difficile et qu'elle s'était inspirée beaucoup de la construction narrative des films, donc en trois actes. Et elle cite un peu son identité catholique où, pour elle, premier acte, c'est tentation, deuxième acte, péché et troisième acte, punition. Donc ça, c'est un peu son cadre. Comment avez-vous étudié la narration à l'école, en analysant comment travaillaient les autres auteurs? So how have you studied narration and the building process of narration in school or reading other authors? It's mostly for me from reading. Those books about how to write, I never found helpful. I always just would, if there's a book I love, sometimes I will break it down in my head. How is this being told? And another one of my favorite writers is Daniel Woodrell. He's a Southern noir writer, and he fractures the narrative. And so sometimes I've studied the way he does that. You know, so it's really the books I love that I'm drawn to, that's really the teaching tool for myself is to read. Donc elle s'en sert énormément des écrits des autres pour s'apprendre justement ces styles narratifs. Elle aime bien déchiffrer les manières dont des autres écrivains construisent leur narration. What was the author's name? Daniel Woodrell. Daniel Woodrell. Donc, par exemple, c'est un des écrivains qui lui plaît énormément. Donc, elle va revenir exactement, évaluer exactement comment il fracture la narration. Quand vous construisez un roman, par exemple, You Will Know Me, quel est le degré de préparation? Parce que, par exemple, dans la première scène, vous posez la scène de la fête, vous posez énormément d'informations qui vont servir tout au long du roman. Vous avez besoin d'avoir tout planifié avant de commencer l'écriture? Il faut que vous parliez plus fort et j'ai pas entendu parce que je dois te dire que... Donc, c'était quoi la question? I will ask it in English. What's the degree of preparation? Because in a novel like You Will Know Me, the first scene, you put everything that will be used later. Do you have to prepare a lot before writing, or do you rewrite a lot? I rewrite a lot. That was not the first scene I wrote. I wrote that scene. It opens with a party, and it was written very late in the novel, and a lot about the order is about the relationship with the reader. Sometimes you know that that the reader, it's going to be a while before something big happens, but if you give the reader clues early on, or you sort of tantalize them. It's like a striptease. I always consider it like a striptease, and so I usually try to structure it like a striptease, a classy striptease, to draw the reader in. So it's usually in the revision that I find when the glove comes off, when the brassiere comes off, all of that. It's a good image. Donc, en fait, elle parle de comment, finalement, certaines scènes sont développées beaucoup plus tard, tardivement dans le processus d'écriture. Donc, elle n'avait pas fait cette scène tout de suite. Vous avez compris, elle envisage ça comme une striptease et elle doit trouver la relation avec vous, les lecteurs, comment et à quel moment enlever le gant, enlever le brasier, etc., pour que ça garde l'intrigue. Qu'est-ce que vous écrivez en premier? What do you write first? Oh, boy. whatever comes into my head. What do I write first? I'm usually trying to capture, I'm thinking about the book, I'm thinking about it, I haven't started yet, and then there's a moment, like a quicksilver moment where I have some piece, and then I just start. It's often, almost never the actual start of the book, but it's the start of the writing. So I'm trying to capture lightning in a bottle, I guess. Donc, première chose écrite, c'est la première chose qui arrive en tête, mais qui n'est pas nécessairement le début du roman. Elle cherche l'éclair, le coup de foudre qui va vraiment donner une inspiration. Donc c'est ce qui arrive en premier. Et les personnages, comment construisez-vous vos personnages? Est-ce que vous vous inspirez de personnes réelles? Comment vous faites naître vos personnages? So for your characters, how do you develop them? Do you inspire yourself from real people, or what's your process? Yeah, that's usually gradual. You're kind of building them from the outside in sometimes. Pieces of people you know. People in my family always think I'm writing about them. They're always wrong about the person. They're always right that I'm writing about them, but they're the wrong person they see themselves in. So writers are always stealing. Joan Didion always said writers are always selling someone out. So I do steal from people I know mostly. Donc elle dit qu'elle s'inspire effectivement beaucoup des personnes dans son entourage, sa famille, et que sa famille souvent pense qu'ils écrivent d'eux-mêmes, qu'elle écrit d'eux, mais qu'ils se trompent toujours du personnage. Elle s'inspire effectivement des gens autour d'eux, parce qu'elle dit le personnage est créé de l'extérieur à l'intérieur. Donc il faut prendre le temps de développer ses personnages. Elle cite Joan Didion qui a dit toujours l'écrivain va arnaquer les gens dans son entourage. Donc on est toujours en train de voler vos personnalités. Vous parliez du travail de réécriture tout à l'heure. Quel type de travail de réécriture faites-vous? Est-ce que vos premiers jets sont déjà très finis ou très brouillons? Comment procédez-vous pour la réécriture? So you're asking about your rewriting process. What's it like? Is it very like draft-based, or are your first writing steps pretty well finished? No, I rewrite constantly. It's the first whatever. I have not taught writing that much, but whenever I do, that's what we talk about the most. I'm rewriting the first part of the book. It's rewritten the most because I do write in sequence, even though it's not in order. And I'm always revising, always trying to get the sentences better, always discovering things. So to me, the real rewriting is probably really writing. Donc la réécriture, c'est l'écriture pour elle. Elle est toujours en train de réécrire, quoi qu'elle reste dans les séquences des trois actes, mais elle réécrit en permanence ce qu'elle a écrit. La première acte, tentation, a plus d'attention souvent.